Les petits chanteurs de la chorale, les jeunes instrumentistes, les danseurs et les élèves d'art plastique avec leur décor, l'école artistique intercommunale de l'Ouest présente son spectacle. Un an de travail pour ce projet pédagogique qui invite à savourer les talents multiples et l'interdisciplinarité. L'œuvre, intitulée « Nos voix », est signée Vincent Bellec, un musicien, professeur intervenant de cette école. Le projet Nos Voix, donc, c'est sur 10 tableaux. 10 tableaux, je parle de karma. Karma, c'est, l'idée, c'est de trouver un équilibre. J'avais écrit ce titre lors des attentats de Nice, mais ceux d'avant. Voilà, donc comme quoi j'avais besoin d'exprimer des choses en musique. C'est un honneur de recevoir aussi trois artistes, Daoud, Tania Boristen et Marie-Alice Sinamant. Ensuite, il y a aussi l'équipe des professeurs qui accompagne les élèves. Donc c'est ça vraiment cette idée, c'est que les élèves puissent aussi jouer avec des professionnels. À travers une dizaine de tableaux, donc, Nos Voix illustrent une quête des valeurs universelles. Les enfants, les adolescents sont heureux de collaborer à ce projet collectif. Ben moi, je fais de la trompette. La flûte traversière. Trompettiste. C'est une grande opportunité de monter sur scène. En plus, théâtre plein air, c'est pas n'importe quoi, quoi. Donc, faut en profiter. Nos Voix, un rendez-vous d'émotion, surtout pour les parents, ce dimanche soir, 19h, à Saint-Gilles. L'amour infini, c'est où, maman ?